Salut toi, ça va? Moi je vais par là les copains. Hop là, c'est parti. Oh! Un méga monstre! À l'attaque, tu m'auras jamais! Bon allez les copains, il faut qu'on en vienne à bout là. Hop. Ah! Yes, on l'a eu! Winner! Salut les amigos! Aujourd'hui, on ne joue pas à un, mais à des milliers de jeux! Génial, non? Et ça se passe sur Epic Minigames. Epic Minigames, c'est une plateforme avec plein de mini-jeux qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter. La grosse balle, quoi! On arrive dans le lobby, on attend qu'une partie se termine, et pouf! On arrive dans un nouveau style de jeu. On peut être dans l'espace, sur une île, dans un château, un peu partout, quoi! Mais c'est pas tout, dans un même univers, il y a plein de modes de jeu différents. I know, c'est trop bien. On peut jouer tout seul ou en équipe avec d'autres amigos. Et il y a même des jeux où on joue contre une autre équipe. L'important, c'est de s'éclater. Même si, bon, gagner, ça fait toujours plaisir, hein, c'est clair. Surtout qu'en gagnant, on chope des points et des points d'expérience pour débloquer des pseudos inédits et des trucs pour rendre son profil unique, comme moi. Perso, j'adore les mini-quêtes qu'ils ont ajoutées il y a pas longtemps. Il y en a tous les jours et elles changent tout le temps et à chaque fois on gagne un truc trop cool. L'autre jour par exemple, j'ai gagné une couronne. Je la voulais depuis tellement longtemps. Sur Epic Minigame, on s'ennuie jamais. Les jeux s'arrêtent pas de changer et c'est nickel pour une petite pause détente quand on a fini ses devoirs. Regardez, là par exemple, je suis sur une plateforme dans l'espace. Hop là. Et maintenant, je guide un missile. Il y a moyen de tout faire, quoi. On peut passer d'un jeu de foot à un jeu de réflexe où faut éviter les trucs qu'on nous jette dessus, à un jeu d'équipe où il faut combattre un ennemi puissant ensemble, à un énorme trou noir qui nous aspire. Ouais. C'est vraiment la marade. Moi, mes préférés, c'est les jeux de course. Je suis trop le best. Ah oui, et les jeux de zombies, bien sûr. Parce que les zombies, c'est trop best. Mais j'adore les battre. Il y a vraiment plein de jeux, mais surtout, il y a plein d'amigos qui y jouent. Donc, tu auras toujours une équipe mortelle. Bon, sauf si c'est Baptiste de la météo qui est connecté. Là, je peux pas t'aider, il est vraiment pas super fort. Bref, il y a un milliard de choses à faire dans ce jeu. Et si je devais tout vous raconter, on serait encore là la semaine prochaine. Le plus simple, c'est que vous alliez y jouer. D'ailleurs, je vais me faire une petite session, moi, je pense. Alors, voyons voir, sur quoi est-ce que je vais tomber? Oh non, zut, c'est Baptiste. Bon bah tant pis, pas le choix. Je vais faire équipe avec lui alors. Faut bien que quelqu'un l'aide.